et de nous faire du bien. Et c'est dans le nom de Jésus amen. Que nous avons prié. On dit amen. 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 Dieu bénisse. Amen. 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 Vissez dans la louange. Amen. 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 Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'est retrouvé. Ouais. J'ai vu tout le monde entendre chanter. Amen. Amen. Notre Dieu est digne des louanges. On dit amen. Amen. Il est digne des louanges. Parce que ce qu'il a fait, la croix, le fait qu'il t'a sauvé, toi, pécheur, le louer, mon frère, c'est pour toi un devoir. Une obligation de louer Dieu. Parce que Jésus, il n'y avait rien, pas de preuve, il n'y avait pas de chose pour qu'il soit aujourd'hui livré à la croix. La preuve, c'est que Ponce Pilate même ne voulait même pas le livrer. Il ne voulait, voyait même pas. Les gens disent, laissez Barnabas à la place de Barnabas qu'on prend Jésus. Parce qu'il faut qu'il monte à la croix pour que toi, tu sois délivré aujourd'hui. Amen. Amen. Et ça veut dire que la Bible dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu nous a sauvés par puis grâce. Et la définition de la grâce, c'est un don immérité. Tu ne méritais pas le salut. C'est pour ça que quand tu es dans la présence de Dieu, il est vraiment important de le chanter. Amen. 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 Voilà donc que Dieu bénisse. Amen. Ben, je me présente, je suis le prophète Crasso. Joël Crasso, à l'état civil. Je suis Bété Doula. Je suis les deux à la fois. Ma mère est pulmalienne, mon père habitait de Gagnois dans la région, dans le canton Paclo, précisément de. Du village de Nialé-Fribourg, j'étais musulman converti de l'islam, je suis venu à la religion chrétienne. Aujourd'hui, je suis parmi vous, je suis très heureux d'être là d'ailleurs, juste pour vous soutenir en prière. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes à la veille de la Pentecôte qui symbolise la fête de la moisson dans le temps. C'était la fête de la moisson et au temps de Jésus-Christ, au temps des apôtres, c'est là où le Saint-Esprit est descendu. 10 jours après l'enlèvement de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute et les gens commençaient à manifester la puissance de Dieu. Et c'est à partir de là que l'Église a commencé à s'imposer à Jérusalem et un peu partout. Amen. Amen. C'est à partir de la présence du Saint-Esprit. Nous sommes à la veille, la venue du Saint-Esprit, mais la fête de la Pentecôte, c'était d'abord la fête qu'on appelle la moisson. Et Dieu nous appelle à moissonner, Dieu nous a fait à moissonner cette grande moisson, de sauver les âmes à nous. Amen. Amen. Voilà, donc je suis là pour vous soutenir en prière. Je suis venu juste pour vous soutenir en prière. Vous savez, il y a des combats. Parce qu'il y a des combats physiques, il y a aussi des combats spirituels. Tout ce qui se fait physiquement, se fait aussi spirituellement. De toute façon, il y a des voyages physiques. Il y a les voyages qu'on appelle les voyages astrales. Et tout. Il y a deux mondes qui caractérisent le monde. Il y a un autre monde qu'on ne voit pas, qu'on appelle le monde spirituel, invisible, mais ça existe. C'est une réalité. La preuve, c'est qu'on ne... Qui a pas vu Dieu? Personne. Il y a d'autres qui n'ont pas encore vu des anges. Mais ils existent. Amen. C'est une réalité. C'est un autre monde. Il y a le monde visible. Donc notre monde visible là dépend d'un autre monde qu'on appelle le monde invisible. Et le monde là qui commence ce monde. C'est pour ça que la Bible déclare qu'au commencement dans le livre de Genèse, Dieu créa d'abord les cieux et la terre. D'abord il a commencé par les cieux, le monde spirituel, et puis la terre. Parce que c'est le monde spirituel, les cieux qui commandent la terre. Amen. Amen. Alors, s'il y a un combat physique, il y a aussi combat spirituel. Et dans le combat spirituel, vous savez, tout combat se gagne avec des alliés. Regardez tous les combats. Le plan Marichal dans le temps, la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique. Nos parents africains sont allés, même les Américains tout récemment. Les gens viennent de célébrer ça en France. À Normandie, les gens venaient de célébrer ça. Où les Allemands ont tué plus de 20 000 soldats et tout ça, américains. Les gens viennent de célébrer parce qu'il y a eu des soutiens. Il y a des gens qui ont soutenu la France. Et qui ont pris le dessus sur l'Allemagne. Donc, dans un combat, il faut faire toujours recours à quelqu'un. Il y a toujours avec les alliés. Et vous savez, je donne un exemple biblique. Dans la Bible, lorsque Israël sortait du pays d'Égypte, il criait victoire parce que la mer rouge venait de se fondre. Mais de l'autre côté de la rive, de l'autre côté, il y avait un autre peuple qu'on appelle Amalek qui a commencé à faire opposition. Amalek voulait forcément faire retourner à Israël. Empêcher Israël d'entrer à Canaan dans sa destinée. Mais Moïse a compris une chose.
Moïse qui venait sauver les eaux, un homme spirituel comprend que le combat qu'ils vont mener n'est pas physique, il est plutôt spirituel. Donc il monte sur la colline. Il monte sur la colline et la Bible déclare que pendant que les mains de Moïse étaient levées, le peuple d'Israël avec la victoire sur Amalek. Et pendant que ses mains s'abaissaient, le peuple amalécite avait la victoire. C'est pour dire, si tu t'abaisses, tes mains sont abaissées spirituellement, l'ennemi aura raison sur toi. Parce que Christ nous a donné tout pouvoir. Amen. Amen. La Bible nous a crié. Et quand vous lisez Genèse le chapitre 1, le verset 26, la Bible dit que Dieu nous a crié pour dominer et assujettir. Pas pour que nous soyons dominés. Dieu dit, Dieu nous a crié, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, sur les reptiles, sur les poissons de la mer. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les bœufs qui nous poursuivent dans le rêve. Pourtant, la Bible déclare que c'est toi qui dois assujettir, dominer sur le bœuf. C'est toi qui dois dominer sur les animaux. C'est toi qui dois être le maître des esprits. Et quand nous lisons la version hébraïque, la Bible ne fait pas de nous chrétiens, mais la Bible fait de nous des esprits. Amen. Amen. Et nous sommes maîtres d'esprit. Alors je suis là pour vous aider à rentrer dans votre héritage spirituel. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions être bénis sur cette terre. Dieu n'a créé ni des voyants. La preuve, c'est que quand vous lisez le livre de la Genèse, le chapitre 1, le verset 26, la Bible va créer, Dieu va créer l'environnement de l'homme. Il va tout créer d'abord, et puis il a dit à l'homme, domine sur tout. Amen. Amen. Donc, Dieu a pourvu aux besoins de l'homme. Mais malheureusement, l'homme va perdre ce pouvoir. L'homme va perdre cette place. L'homme va perdre cette grâce en obéissant à la voix du diable dans le jardin. C'est quand l'homme a perdu que Dieu a chassé l'homme du jardin. Mais gloire soit rendue à Jésus. Amen. Amen. Et Dieu va donner son Fils pour nous racheter de cette malédiction. Et en Jésus-Christ, nous retrouvons tout ça. Ça serait la première fois dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est vraiment important parce que quand on a Jésus-Christ, Dieu nous amène à sujettir, à posséder tout lieu. Amen. Amen. Alléluia, je suis venu vous aider. De la même manière que Moïse a été soutenu par Hur et Aaron sur la colline, ils ont rapporté la victoire jusqu'au coucher du soleil. Je suis là ce soir pour vous aider, vous soutenir. Chacun d'entre nous mène certainement un combat. Amen. Amen. Certains d'entre nous mènent un combat dans le secret. Je suis venu te soutenir dans ce combat parce qu'il te faut Canaan. Le Canaan, c'est ton repos. Le Canaan, c'est la grâce. C'est ton mariage, c'est ta bénédiction. Et tu regardes quand toi-même, tu analyses ta vie, tu te poses la question, est-ce que réellement c'est à ce stade-là que je vais être aujourd'hui? Oui. On peut être en Jésus-Christ et puis mourir sous la malédiction. Oui. On peut être chrétien et mourir malheureux, pauvre. Mourir de certaines choses. Si on ne sait pas lever pour combattre. J'ai dit aux gens, Dieu ne viendra plus combattre à notre place. Non, c'est nous qui devons nous lever. Quand Dieu dit, je vous donne le pouvoir, ce n'est pas pour s'amuser. Quand Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour s'élever et prendre autorité. Lorsque la mer rouge était devant le peuple d'Israël, il a fallu que Dieu dise à Moïse, parle à la mer. Pourquoi c'est mimi? Mais c'était normal parce que la mer symbolisait les difficultés. Mais Dieu va dire, parle à la mer. Et font là. Amen. Amen. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Pendant quelques jours, nous allons parler à la mer, qui est symbole de difficulté. Qui est symbole de difficulté, nous avons autorité, pouvoir. Nous avons reçu l'autorité, le pouvoir de Jésus de ordonner. Amen. Amen. De parler. La Bible, les gens étaient étonnés pour dire, mais quel est cet homme? Même qu'il parle à la nature l'obéit. Parce qu'il apprenait à calmer la tempête. Même les esprits obéissaient à Jésus. Et nous avons ce pouvoir. Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme j'ai reçu le pouvoir du ciel et de la terre, je vous envoie. Amen. Amen. J'ai dit, le malheur aujourd'hui du chrétien, nous pensons aller au ciel. C'est vrai, c'est bien acquis. Mais il faudrait que ton environnement, tous ceux qui sont autour de toi, sentent que tu as Dieu dans ta vie, au travers de ta vie. Il faut que ta vie rende témoignage de la puissance de Dieu. Amen. Les gens se donneront à Jésus-Christ lorsqu'ils verront ce que Dieu a fait pour toi. Il faudrait qu'il y ait une différence entre toi et le païen. Qu'il sente que tu es béni parce que tu as Dieu. S'il ne sent pas ça, il sera difficile que ton évangile passe. Il sera difficile que ton témoignage soit efficace. Parce que ta vie
doit témoigner de ce que tu dis. Dieu est puissant, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est ça le point d'interrogation. Tu viens dire des choses qui n'existent pas dans ta vie, et c'est là difficile pour ton entourage de croire à la puissance de ton Dieu. Parce que tu dis, il est vivant, il est puissant, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Depuis que tu vas à l'église, c'est la même personne. Tu n'as ni changé. Il sera difficile pour toi de dire à quelqu'un qui ne voit rien en toi, qui ne voit pas ce que Dieu a fait pour toi, de croire à ce que tu es en train de dire. C'est lorsqu'il verra Dieu opérer ton miracle, opérer des grandes choses dans ta vie, voir Dieu en train de t'élever, c'est lorsqu'il verra ça, quand tu vas commencer à parler, même si tu ne parles pas, ta vie devient témoignage. Oui, il faut que ta vie soit un témoignage à la gloire de Dieu. Dieu fait de nous des ambassadeurs. C'est pour ça qu'il a dit, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit vient faire de nous des témoins. Les témoins de la puissance de Dieu. Les témoins de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Pour que nos vies témoignent que Jésus est riche. Pour que nos vies témoignent que Jésus guérit les malades. Pour que nos vies témoignent que Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. Et quand on a Jésus-Christ, aucun sorcier n'a autorité, pouvoir sur nous. Amen. Amen. Le païen pleure parce qu'il y a sorcellerie. Et toi, chrétien qui parle en langue, tu pleures aussi. Mais comment le païen croira-tu à la puissance de ton Dieu? Amen. Amen. Je suis venu t'éclairer sur beaucoup de choses. Dis amen. Amen. Oui, parce qu'à partir de la connaissance qui vient la grandeur. C'est ça que la Bible dit, par force de connaissance, mon peuple périt. Vous savez, ce dont nous avons besoin, c'est la connaissance. C'est à partir de la connaissance qui devient les grandes choses. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Parce que c'est ça. Dieu se basera sur le principe que la foi pour apporter ton miracle, pour opérer beaucoup de choses dans ta vie, pour agir pleinement dans ta vie. Amen. Amen. Comme je disais, je suis le prophète Joël Crasso. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je suis né dans une famille musulmane. Mais je suis devenu chrétien plus tard, quelques années, et quand j'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie, quand j'ai vu Jésus-Christ se manifester dans ma vie, j'ai cru en Jésus-Christ. Je vais parler de mon histoire, et partout où je passe, je rends témoignage de la puissance de Dieu, et c'est pour cela que je suis prêt à aller partout où Dieu me veut, où Dieu veut que je sois, parce que je sais qu'il est vivant, je sais qu'il est puissant, je sais qu'il est réel, je sais que ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Amen. 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 Alors mon père, je vous conte l'histoire de mon père qui est musulman, père à son âme. Et mon père va quitter l'Europe, il va venir en Côte d'Ivoire. D'abord, la première chose, au temps de Fouette, c'est déjà le miracle, on appelle ça le miracle ivoirien. Tout était basé sur l'agriculture, il fallait s'investir. Donc mon père va s'investir au village, le cacao, s'investir dans le cacao, que Dieu. Et puis, il y a eu un problème. C'est-à-dire, pendant que la plantation devait entrer en production, vous comprenez, 100 hectares prend feu de brousse. Mais ce qui va paraître un peu bizarre, c'est que tout est devenu sombre. Ah oui. Non, rien n'est resté. Donc, ça déjà c'était quelque chose pour mon père. Mon père était d'abord musulman parce qu'il était croyant. Il croyait aux esprits. Donc, il croyait à la sorcellerie. Il rentre, il fait le constat lui-même. Il constate que la plantation est ensemble. Ça n'a pas besoin de dire c'est fait de brousse. On sait que c'est sorcier qui a brûlé. Mais quand sorcier brûle, on connaît. Comment fait de brousse va brûler 100 hectares et puis c'est en cendre. Il n'y a même pas un truc. Donc mon papa, il avait une manière de régler. Il avait vu son assidu bien, ses frontières, ça. Il savait sorcier, mais s'amuser d'aller menacer les sorciers. Les gens n'ont rien dit. Ils vont lui montrer qui a mieux su dans papa. Il est sorti du village. Il a fait un tonneau. Son bras est cassé. C'est pour dire avertissement. Il faut faire très attention. Nous, on ne joue pas un mot. Tu comptes sur quoi? Nasegui. Donc il est KO. Donc mon père rentre. La première chose qu'il va mettre dans nos têtes. N'allez pas au village, c'est la sorcellerie. Moi, je suis content quand je viens dans le village. Moi, je suis très, très content que tu es dans un village parce que moi, quand on vit village, en bas chez moi, c'est sorcier. Quand quelqu'un vient du village, je le vois comme sorcier. Oui, parce que c'est ce qu'on m'a mis dans la tête. Vous voyez, ce qu'on te met en bas âge, ça reste. C'est comme une semence dans ta tête. Donc, quand mon père, lui, vivait une expérience, toutes les nuits, il était combattu, vivait le combat. Il faisait venir des marabouts du Bénin, du Mali, du Burkina, pour se protéger, parce qu'il savait ce qu'il vivait lui-même. Vous savez, il y a des combats quand tu vis,
Tu vas pour expliquer à quelqu'un, il sera difficile de te comprendre. Parce que il ne vit pas ça. Il ne vit pas ça. Non, on n'a pas. Non, il ne peut pas te comprendre. Parce que c'est des choses d'esprit. Mon père savait ce qu'il vivait personnellement. Il était très courageux, donc il s'est investi dans beaucoup de choses. Il parlait de la sorcellerie. Nous, ça nous énervait parce que par moment, il nous réveillait la nuit, tard dans la nuit, pour boire le sang de moutons. Quand il m'a rendu, lui vient dans la cour, tout le monde est énervé parce que toutes les nuits, on oubliait de se réveiller pour boire du nasigi. Vous connaissez du nasigi? Pour ceux qui connaissent un peu, vous passez un peu de l'autre côté. Ouais, chacun a fait un crochet qui te parle. À la recherche de protection, vaincu. Il n'y a rien dedans, c'est Jésus seul. C'est nasigi, c'est des tablettes où on met des versets coraniques et puis on nettoie ça et puis tu bois des versets. C'est ce qu'il dit aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu parce que si je n'étais pas en Jésus, je serais peut-être sorti parce qu'il y a trop bu de nasigi. On nous a fait boire du nasigi, rempli dans nos ventres, pensant nous protéger. Après, un matin en 93, mon papa allait se brosser dans la douche, se brossait, paf, il est tombé. Il a commencé à crier, on m'étrangle. Et nous, on s'est tous levés de la des chambres, entre 6h et 7h. On a vu nos papas en train de lutter avec des forces. Il luttait, on le soulève, on le met au salon. Il était en train de crier, et puis la voix commençait à partir, disparaître. Il a commencé à baver. Le noir est devenu blanc, et c'est fini, les forces l'ont abandonné. Il est parti, il est mort. Nous, on ne pouvait pas imaginer que le monsieur que notre père, avec lequel on venait de manger la veille, qui est le 22, un jeudi, parce que mon père et moi, on a pris 23, qui venait de mourir. Non, pour nous, ce n'était pas possible. C'était peut-être qu'il était rentré, il avait un coma et tout ça dans un coma. Donc, on le soulève, c'est fini. Comme le corps est encore chaud, on ne pensait pas qu'il était mort. Mais c'est mon frère qui va nous attirer notre attention pour dire. Mais le défunt, notre papa, a crié tout à l'heure qu'on est trans. Effectivement, on a vu au cours de son cou des bleus comme des traces d'une corde vraiment foncée qu'on a dans son cou. Nous tous avons laissé le corps dans le salon. Nous sommes entrés au salon, dehors, en train de pleurer. Personne ne nous a donné l'explication. Nous avons tous compris que c'était la sorcellerie. C'est là que nous avons compris comment mon papa a souffert jusqu'à ce qu'on le tue. C'est là que nous avons tous compris. Et pendant les funérailles, c'est vrai qu'ici dans un pays bété, vous savez bien que quand un défunt meurt, nous avons une tradition qui est très bizarre. Le monsieur meurt, on nous dit, c'est un héritier. On ne sait pas d'où il quitte. Mais on dit, c'est lui qui est l'héritier. C'est ça que ça existe ici. C'est pas là. Ouais, quelqu'un qui travaille jusqu'à ses enfants vont manger. Nous, nous avons un héritier. Et tout ce que le défunt venait de nous dire, qu'il y a la sorcellerie partout, on dit, non, au village, voici celui-là qui doit l'hériter. On dit, mais que ça veut dire quoi? Le père, le défunt nous a jamais préparé à ça. Et vous nous présentez un héritier, ça veut dire quoi? Donnez-nous l'explication, dit c'est comme ça. Et d'ailleurs, on doit vous laver. On dit, mais qui vous a dit qu'on est sale? Ce sont ceux qui sont sales. Et c'est comme ça ici, les orphelins, on les lave. C'est pas ça, c'est chic ici. C'est comme ça chez nous. C'est pour ça que la sorcellerie finit pas. Il faut tuer l'autre pour prendre son héritage. Il faut endeuiller des familles. Et c'est comme ça. Donc nous, on s'est opposés à ça. Et comme j'étais dans une famille d'une religion, on dit non, notre religion ne nous permet pas ça. Et le combat a commencé. Et par la grâce de Dieu, moi, je suis parti ici d'Europe pour un regroupement familial. Et voici le combat va commencer. Le combat a commencé dans la famille. Mon frère aîné, lui, va mourir 6 mois après l'enterrement de mon papa. Alors la soeur, ma soeur, qui suit mon frère aîné, elle est allée en 94, le 28 juillet. Mon père est mort le 23 juillet 93. Elle est morte aussi le 28 juillet 94. Elle allait simplement dormir et puis s'est plus réveillée. Donc c'était comme un tueur en série qui a commencé du père, qui allait comme ça, qui venait. Donc quand moi j'ai appris la nouvelle, j'ai dit non, je sais qu'ils vont m'attaquer. Parce que je vois ça venir. Donc, oui, il y a des choses qu'on voit venir. Mais on ne peut rien contre ça. Et moi, je voyais la chose venir. Et quand j'ai expliqué ça à mes parents, ils ont dit, mais non, il faut laisser. Est-ce que le sorcier va venir quand en France? Il dit, le sorcier, il ne connaît pas visa, il ne connaît pas ambassade, il a avion. Il a dit oui. J'ai dit, le jour où j'ai vu mon papa mourir de la sorcellerie, j'ai compris qu'ils sont forts. J'ai compris qu'ils sont puissants. Parce qu'ils sont venus faire violation à domicile. Moi, ils l'ont tué chez lui. Sans cocon, tout ça, on l'a tué. On l'a étranglé, il est mort. C'est les sorciers, vous pouvez en parler, vous dire si ils vont venir à Paris. Ils vont venir.
Moi, j'ai cru, depuis les morts, j'ai commencé à croire à la sorcellerie. Parce qu'il nous parlait de ça, il nous parlait de ça. C'est quand il est mort que j'ai cru, moi, à la sorcellerie. Moi, ça n'existait pas. Oui, ça existait, mais c'est une...